Every day, you turn on your computer as an extension of yourself. You surf the internet, and with a click, you get informed, you love, you buy, you get angered. Through chats, forums, social networks, you can talk with your relatives and with the entire world. Until very recently, you thought you were doing all this in total freedom. Until some words started to pop up on your screens. Words such as WikiLeaks, Prisms, NSA, Snowden. And maybe you finally began to wonder, what do you know about the internet? Do you even know how it works? Those we call hackers have been well aware of the political and economic issues at stake behind our screens for a long time now. They know about both the hopes and the risks of the cyberspace. If you open a French dictionary and look up for the word hacker, you can read, hacker, someone who for fun, challenge, or fame, tries to circumvent the protection of a software, to break into a system or computer network. But hackers are now far beyond these stereotypes, and maybe they are the ones holding the keys to preserve our online freedom. Moi, j'ai l'impression, et j'espère pour tout dire, que les hackers changent la société dans laquelle ils interviennent. Qu'est-ce qu'on peut appeler sécurisé dans ce monde de brut ? Comprendre comment fonctionne le code, c'est quelque chose qui est un enjeu de démocratie pour tout le monde. Internet, maintenant, c'est un espace public. C'est chez tout le monde. To really understand the hacker culture, one needs to dive into the many hacker spaces that have been created over the last years. The Loop, located in a self-managed artistic center in the south of Paris, is the haunt of all computer passionate tinkers. Hawking will never tell you he's a hacker, but rather that others refer to him as such. He likes to say, with a tad of provocation, that he's a crypto-terrorist, member of Telecomics, a group of hackers that became famous for their support to the uprisings in the Arab world. Hackerspace, au début, c'était un lieu. Et puis ben, maintenant, c'est un peu plus qu'un lieu. C'est une... Enfin, si c'est juste un lieu, au bout d'un moment, tu finis par rester chez toi. Enfin, au Loop, ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens avec qui on commence à développer, on a développé des liens, on a des amitiés, enfin... Je viens pas juste dans un bureau me poser bricoler, quoi. C'est pas juste le garage dans lequel je bricole chez moi. C'est un groupe de gens, c'est une communauté. Enfin, dans le cluster comme Telecomings ou même comme au Loop, on vient, on se pointe, on bricole chacun dans notre coin. Parfois, on se met à bosser ensemble sur des projets, on répond. L'avantage de ce truc-là, c'est que j'ai une question sur une problématique, y a quelqu'un qui a peut-être la réponse. Mais en fait, quand tu vas copier tes machines, ouais. Si tu repasses pas le pinning derrière, au bout d'un moment, tu vas avoir trop de merde parce que tu auras des. En fait, en théorie, tu peux copier plus de CPU, de VCPU que t'as de CPU. Ouais, oui. En fait, tu pines sur tes CPU physiques, et au bout d'un moment, quand il y en a une qui load, elle défonce tout le reste. Allez, on va y aller avec celui-là. Tu manges ton clavier, sinon ? Bon, clavier. Autonomy, freedom, sharing. The values defended by Hawking can be found in every hackerspace in the world. They come directly from the hacker spirit of the 60s and 70s in the United States. On ne peut pas comprendre l'histoire de l'Internet si on n'y intègre pas un petit peu de contre-culture américaine des années 60-70. Il faut bien comprendre que les valeurs de la contre-culture américaine des années 60-70, que ce soit le fait de fumer des joints, voire de prendre du LSD, que ce soit le fait d'être contre la guerre du Vietnam, d'être contre l'oppression des Noirs, d'être contre les mâles blancs dominants et lutter pour la libération sexuelle et les combats féministes, c'est quelque chose qui a irrigué les temps des pionniers. Tous les éléments étaient disponibles sur la côte est des États-Unis pour que l'Internet soit inventé sur la côte est des États-Unis. Il y avait les laboratoires de recherche, il y avait les universités, il y avait les militaires, il y avait les fonds. Mais il n'y avait pas les hippies, il n'y avait pas le LSD. Cette alchimie-là, grâce au fait qu'ils connaissaient des hippies qui prenaient du LSD et que certains étudiants ont pu prendre du LSD, ça leur a ouvert l'esprit et ils ont hacké le système de recherche universitaire qui avait été financé par l'armée américaine pour faire que des ordinateurs se communiquent entre eux et ça a donné Internet. The humanist and generous utopia of the cyberspace was very quickly damaged by the flourishing computer industry and by the will to exert a political and legal control of the web.
As the use of internet became widespread by the end of the 1990s, John Perry Barlow, poet, writer, and songwriter for the famous U.S. counterculture band The Grateful Dead, cried out of anger. Facing the threats weighing on the cyberspace, he wrote a text which will mark the history of hackers and of every defender of a free internet. The Declaration of Independence of the Cyberspace. C'est une adresse au gouvernement, c'est une adresse aux industries, c'est une adresse à tous ces acteurs qui, à un moment donné, ont commencé à arriver sur Internet en leur disant « c'est pas chez vous, c'est chez nous, vous ne comprenez rien à ce qui s'y passe, laissez-nous tranquilles, et de toute façon, il y a un moment où on va gagner, parce qu'on sera plus nombreux que vous. » S'il n'y a pas de café, il n'y a pas d'administrateur système opérationnel, donc il y a des serveurs qui tombent en panne, et donc il n'y a plus rien qui marche. Si Internet fonctionne, c'est grâce au café. Internet is code. Therefore, preserving a free internet requires free tools. That's why, while the cyberspace was developing, hackers started to program free and open source software. Je suis en train de démarrer une première machine virtuelle pour qu'on puisse installer un calendrier sur lequel on pourrait mettre un peu toutes les activités du loop. Qu'est-ce qu'on a prévu, etc. Ce qui remplacera Google Calendar. Pour le moment, le loop dépend d'un calendrier Google, et donc le but de jeu, ce serait de plus dépendre de ça. Enfin, être le plus autonome possible, c'est le départ, quoi. Enfin, ouais, on veut changer le monde, mais on dépend de Google. Super, on va aller super loin comme ça. J'écris l'information où j'ai mis le calendrier pour que tout le monde puisse en bénéficier. Avec le login et le mot de passe qui vont avec. Toujours pareil pour partager, que tout le monde ait accès à toutes les informations. Un des éléments de l'éthique hacker, c'est qu'il faut se méfier du pouvoir et de la centralisation, et que ce qui est intéressant, c'est la décentralisation et c'est le partage. Donc on a vraiment en germe des tas de choses qu'on retrouve dans le milieu du logiciel libre, par exemple, hein, l'idée que bah voilà, les programmes, on doit pouvoir librement accéder à leur code, on doit pouvoir librement le modifier et librement le partager. C'est en germe aussi ce qui est finalement au fondement d'Internet, hein, qui est une structure décentralisée. What is a free software? Imagine you are preparing a vanilla cake. If you want your vanilla cake recipe to be considered as free, you will have to respect some fundamental freedoms. First, anyone should be able to examine and use the recipe as much as they want. Anyone should be able to use the recipe and to modify it according to their tastes. Finally, your recipe, as well as the modified versions, should be freely shared by and to all. Through free exchange, the dangerous cake recipes are abandoned, and the most popular ones can be improved by the community. D'où ça vient, ce mouvement des logiciels libres? Ça vient notamment d'une imprimante. C'est Richard Stallman, qui était habitué, quand l'imprimante était en panne, à la réparer. C'est à modifier le code source du logiciel pour pouvoir réparer l'imprimante qui était en panne. Un jour, il s'aperçoit que le code source qui permettait de communiquer avec l'imprimante était devenu propriétaire. Il fallait demander l'autorisation à l'entreprise qui avait développé ce logiciel pour pouvoir réparer le logiciel. Et il s'est dit, mais c'est complètement absurde, parce que l'autorisation, il ne l'avait pas eue, ou alors il faudrait attendre 6 mois pour l'avoir, signer des papiers en je ne sais pas combien d'exemplaires. Et donc lui, il a piraté l'imprimante pour pouvoir la réparer. Bon, et il n'avait pas le droit de faire ça. Et donc c'est là où il a dit, OK, on arrête. Moi, je veux des logiciels libres, c'est-à-dire des logiciels auxquels on a accès au code source, parce qu'ils sont là pour moi, ils sont là pour les utilisateurs. Ils ne sont pas là pour l'entreprise qui l'a commercialisé et qui va m'interdire de m'en servir. Et donc ce mouvement des logiciels libres, le mouvement des hackers, bah, tout ça, c'était des gens qui militaient pour les libertés, pour qu'on puisse effectivement contrôler nos machines, qu'on puisse en faire ce qu'on a envie d'en faire, et non pas vivre dans un monde où la machine nous contrôle. Richard Stallman is considered the founding father of the free software movement. For more than 30 years, he has been traveling around the world to promote its humanist spirit. So, please welcome. Je suis le Saint Ignatius de l'église d'Imax.
Je bénis ton ordinateur, mon fils. Pour te faire membre de l'église d'Imax, tu dois prononcer la confession de la foi. Tu dois dire, il n'y a aucun système que GNU et Linux est un de ses noyaux. Si tu te fais très expert, tu peux le célébrer avec notre cérémonie, le Fubar Mitzvah, dans laquelle on chante une portion de notre texte sacré, c'est-à-dire le code source du système. Every 2 years, hackers hold a big European meeting, alternatively in Germany and in the Netherlands. This year, thousands of hackers coming from the entire world pitched their tents 50 kilometers away from Amsterdam. OHM 2013, the gathering of tinkers who want to share their knowledge, experiences, and inventions. We're all gonna make one of these if you want to. My name's Mitch. And I teach lots of people to solder. Mitch Altman is a regular in these big gatherings. The co-founder of San Francisco Hackerspace spends most of his time traveling to meet hacker communities from all over the world. Cool. What he likes above all is to share his knowledge of electronics to the greatest number. It's marked on the board, R1, R2, R3. You can even do it with not crazy hair. Then we touch the pad and the wire we want to solder for 1 second. I was born a geek, so I'm a definitely geeky person, and my realm turns out to be electronics, even though I'm curious about just about anything, how things work. But I didn't actually use the word hacker as sort of an identity, a way of describing at least part of myself, until I went to my first hacker conference, which was in 2006. And it was for the first time in my life that I felt at home and safe and wonderful in a large group of people. When he was younger, Mitch had had enough of seeing all this switch on TVs everywhere, at home, in the streets, in the shops. So he invented an accessory which would change his life, the TV Be Gone, a remote control with a single function, a unique button, off. Thousands of copies were sold. So this is the original keychain version. These are still the most popular. And these are the pro version that turned TVs off 100 meters. There it goes. Yeah, so now I can turn them off. There we go. I always like it when TVs turn off. Anything can be hacked, and everything should be hacked, because everything can be improved. You know, not just tech, but food and art and craft, music, photography, video, software, science, ourselves, you know? And we can hack society, we can hack the planet. The planet surely needs some improving. Emmanuel is also a hacker, but a less experienced one than Mitch. For his first participation in the Dutch Hacker Festival, he came to present his new babies, 3D printers, the major invention of these last years in the hack world. A 3D printer is like a regular printer, except that it prints three-dimensional objects. And given the pace at which genius tinkers improve them and make them available to the public, we can dream that one day, we will be able to print any object or spare parts to repair anything that planned obsolescences forced us to buy. Donc on a réimprimé la pièce avec cette machine-là en inversant les moteurs. Et normalement, cette fois, ça devrait bien se passer. Le fil devrait être maintenu contre la roue dentée qui est ici. Il n'y a plus qu'à revisser tout ça en place et puis on pourra relancer cette imprimante-là. Toute la vision qui est portée derrière ces machines-là ou le mouvement maker, où oui, on va faire les choses autrement que, on va dire, dans le système capitaliste classique. Tout à coup, il y a plein comme ça de petits changements qui, mis bout à bout ensemble, créent en fait un nouveau modèle de société. Et bon, des fois, on parle souvent de l'impression 3D parce que c'est assez fascinant, mais c'est un des éléments de cet ensemble-là.
tout ce qu'on a autour de nous, finalement, c'est plus que des briques qu'on peut démonter, reconfigurer comme on veut. Quand on va dans un magasin, on voit une pièce, on se dit « Ah, mais ça, je pourrais le fabriquer chez moi, ça. » En fait, c'est relativement simple, ouais, je peux l'imprimer. Et comme ça, il y a tout un basculement, ce qu'il fait, et on peut plus revenir en arrière une fois qu'on sait que ça existe et qu'on peut le faire. Hacking is an act of curiosity and generosity. It's a gesture, an attitude which implies to always understand and question the objects, the systems, and the world around us. If truth is always revolutionary, then maybe is hacking instinctively subversive? A path to follow to recreate a better and fairer world. OHM and other hacker meetings are not the only places where people work for a new world. Anti-globalists who meet every 2 years at the World Social Forum want to move forward according to their famous motto, another world is possible. In Tunis, as in any World Social Forum, activists from all over the world opened the event with a massive protest march. But since the forum was created 13 years ago, where are anti-globalists heading to? Public opinion now agrees with the ideas emerging from social forums. Yes, we need to reform an unfair global economic system. Yes, globalized capitalism as it exists today generates growing inequalities. The WSF ideas are now accepted by most civil societies. But this victory still hasn't managed to find a political equivalent. And most worryingly, it hasn't succeeded in uniting new movements coming from the web and hackers' communities, such as Anonymous or Telecomics. Qu'est-ce que vous faites avec Internet? On essaye d'avoir une stratégie d'utilisation de l'Internet pour pouvoir que nos messages puissent se diffuser dans différents pays et différentes luttes et groupes. Est-ce que vous avez déjà été en contact ou travaillé avec des hackers? Non, notre page a été hackée. D'accord. Deux ou trois fois dans des moments politiques intéressants où on avait beaucoup de choses à dire. Mmh. Et on a été hackés par des groupes conservateurs qui ne veulent pas que nos messages soient diffusés. Est-ce que tu penses que les groupes de hackers et les activistes ont des intérêts à travailler ensemble et comment est-ce que ça pourrait se faire éventuellement? Oui, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut hacker. Et si c'est pour démanteler le pouvoir économique, les élites qui sont en place et l'absence d'information et transparence pour la citoyenneté, je pense que oui, qu'on peut travailler ensemble. D'accord. Un gros problème qu'on a, enfin que j'ai moi, en tant que hacker avec les organisations avec lesquelles je travaille, donc par exemple la FIDH ou RSF ou des ONG un peu plus traditionnelles ou même des groupes militants comme ça, c'est le problème de l'organisation. C'est-à-dire que dans les mouvements hackers, quand on veut faire quelque chose, ben, on le fait. Et on ne se pose pas la question de oui, il faut passer par un comité, puis après faire un communiqué de presse, etc. On essaie de faire des choses. Donc on est sur une forme beaucoup plus décentralisée. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y aurait un problème, justement, d'incompréhension entre ces structures traditionnelles et les mouvements hackers? Enfin, un problème dans les deux sens, peut-être? Pour nous, ce qui est important, c'est que les acteurs des mouvements sociaux et citoyens s'emparent des questions liées à l'Internet. Donc, on aimerait créer des ponts et des dialogues entre les mouvements sociaux, citoyens, et ces nouveaux mouvements activistes sur Internet, qui sont les hackers. Mais pourquoi faire? Since the web has been massively used in the 1990s, anti-globalization movements have well understood the potential of internet as a great communication tool for their cause. But have they really understood that internet is itself a space to defend, so it does not become a tool for oppression? For Okin as well as the hackers who came to Tunis, the WSF represents an ideal opportunity to raise awareness of anti-globalization movements on the common battles to be fought on the cyberspace. Internet, c'est pas Facebook, c'est pas Google, c'est pas Six, c'est pas L'Oréal, c'est pas tout. Ça, c'est des services qui utilisent Internet, qui sont basés sur Internet. Internet, c'est le protocole IP, donc c'est des machines connectées entre elles par des câbles physiquement. Quand on parle de réappropriation, c'est aussi se réapproprier les câbles. Et par exemple, les câbles sous-marins,
Ils sont fabriqués par une entreprise, ou deux peut-être, une allemande, et ils ont un secret industriel autour de ça. La recette du Coca-Cola à côté, c'est de la gnognotte. C'est plus facile à trouver la recette du Coca que comment sont fabriqués ces câbles, les câbles sous-marins. Le télécomique, si cherche à comprendre comment ces câbles sont faits. Voilà, on cherche à comprendre comment ces câbles sont faits, on cherche à comprendre comment marche Internet, on cherche à expliquer aux gens, enfin, à comprendre comment les gens utilisent Internet déjà, parce que les militants, enfin, tout le monde a des utilisations différentes d'Internet. Donc on cherche à comprendre comment les gens utilisent ça, on réfléchit beaucoup là-dessus, on fait beaucoup de monde, on a écrit beaucoup de choses, on essaie de documenter tout ce qu'on fait. C'est quelque chose qui est très important pour Télécomics, c'est que on n'est pas si nombreux que ça, on est 300 connectés en permanence, donc on doit avoir 20 actifs. Last day at the WSF, activists of the World Forum for Free Media have decided to get down to drafting a charter. It lists the principal and general conditions to strengthen free media throughout the world. Bonjour, je suis Oki, du 3 Hackers. On a travaillé avec d'autres hackers de bâtiments là-bas. On a pas mal de propositions, donc on va vous en soumettre rapidement quelques-unes. Mais en fait, on veut juste la promotion du logiciel libre, du matériel libre, de la culture libre et notamment des biens communs, de la bande passante libre et donc de l'accès Internet libre et des formats libres. Il y a une période charnière, à mon avis, à partir de 2009, et à partir notamment de la présidentielle en Iran. Parce que c'est un moment, en fait, où il y a eu une première jonction qui s'est faite entre activistes, avec un H, et cyber-dissidents, défenseurs des droits de l'homme, etc., autour de la question de la censure et de la surveillance de l'Internet iranien. NGOs, hackers, a shared commitment to freedom and respect of human rights has long seemed insufficient for these two worlds to meet. Their differences, both in structuring and action, seem too big to overcome. The Arab world revolutions eventually gave a common ground for struggle, where intense collaborations between hacker hacktivists from movements such as Anonymous or Telecomics and human rights activists and defenders took place. When she was elected president of the FIDH in 2007, Suhar Belassem, who has been fighting for human rights for 30 years, didn't expect her main task to become that of assisting and supporting a historical revolutionary movement that would spread to a large part of the Arab world. Neither did she expect that this Arab Spring would start in her own country, Tunisia. Chers amis, tunisienne, comme vous le savez, femme militante, je me dois de vous dire, en ce moment inaugural du 38e congrès de la FIDH, que j'ai eu la chance inouïe, grâce à vous qui m'avez élue présidente de notre grande organisation, d'avoir le sentiment, avec la révolution tunisienne, que tous les chemins de la vie se sont rejoints pour ouvrir une voie royale au bonheur d'être au cœur des bouleversements extraordinaires intervenus dans le monde arabe et de vivre enfin l'aboutissement d'un combat. Suhar Belassem spent 6 years as the head of the FIDH, during which the political situation of most of the NGO's national affiliates changed drastically. Above all, this 6 years led to a radical evolution of the FIDH. Tu vas nous manquer, tu nous en as fait voir, mais tu vas nous manquer. Aujourd'hui, n'importe qui milite n'importe où. C'est formidable. Et nous, on a vécu une période où la communication était extrêmement difficile et les liens se faisaient en fait par réseau. Aujourd'hui, il y a une extraordinaire mobilité, une facilité de communication absolument effarante. Le militantisme a changé, l'engagement a changé, la mobilisation a changé, tout a changé. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas sortir de chez vous et vous mobiliser, alors que c'était quelque chose d'inconcevable il y a 20 ans. Autant avant, il y avait le secret, tout était codé, tout notre langage, le courrier, la manière de se rencontrer, etc. C'était ridicule parfois, mais c'était le secret.
Mariam Al-Khawaja, an activist from Bahrain, embodies this new generation of human rights activists, hyper-connected, able to carry on the fight on social media. Mariam Al-Khawaja, c'est une fille extraordinaire. Elle est d'un courage absolument... Elle est fascinante. Et elle, son principal argument, son principal outil de militantisme, son engagement, c'est une cyber-dissidente. C'est une... Vraiment, elle utilise ces outils-là. Donc, elle vient d'intégrer la FIDH. Son organisation vient d'intégrer la FIDH. Ce sont ces organisations qui vont changer la FIDH. La même personne, il y a 30 ans, devait s'intégrer à un groupe, que ce groupe puisse l'amener à s'exprimer, à exprimer ensemble sa protestation, qui est protestation politique. Après tout, son père est arrêté, sa famille est en prison. There's quite a few people who like to refer to the mass pro-democracy movements in the Middle East and North Africa region as being Twitter revolutions or being Facebook revolutions. In my opinion, when we look at the situation on the ground in these countries, I think it's unfair to call them the Twitter revolution or the Facebook revolution. I think these movements would have happened with or without Twitter and Facebook. These were the youth revolutions. These were, you know, the youth who had decided that enough was enough and they wanted their dignity back from these governments that have oppressed them for a very long time. Now, in Bahrain's case, which is very interesting, Twitter has become instrumental. Why? Because Bahrain is one of the countries where there is very, very little international media attention to the ongoing situation on the ground. And so people inside Bahrain, especially the youth, started using social media, especially Twitter, as a way to talk about the situation on the ground. And unfortunately, we did not see an appropriate international outcry against this. We saw an international outcry for so many different things that happened. We even saw an international reaction to what happened in Libya. But when it came to Bahrain, suddenly there was silence. Greetings, world. We are Anonymous. We have been fighting alongside our noble brothers and sisters in Bahrain now since February 2011, when the Saudi troops came across the causeway to crush the courageous occupation at the now destroyed Pearl Roundabout. We were there to bear witness and help with medias. Anonymous will never abandon Bahrain. We encourage the media to follow the Twitter accounts mentioned on the bottom of this press release. We call upon everyone outside of Bahrain to use their virtual skills to give Bahrainis their voice back. Bloggers, Twitterians, Facebookians, artists, hackers. To the brave and noble people of Bahrain, let us know the truth so we can spread it. We stand by your side on this glorious day. Be brave, dear friends, have no fear and know that we in Anonymous are with you always. We are Anonymous. We are everywhere. We are Legion. We do not forgive tyranny. We do not forget crimes against humanity. To the King, in Manama, your days are numbered. Expect rebellion. Expect Tamarad. And expect Anonymous. Internet est un outil qui permet de s'organiser, de centraliser, notamment d'organiser la dissidence. À partir du moment où tu surveilles Internet et que tu lis tout ce qui se passe sur Internet, bah, tu vois comment fonctionne cette dissidence, tu vois comment fonctionnent ces réseaux et tu empêches ces réseaux d'exister en, bah, bêtement, en allant arrêter les gens en question le plus tôt possible. On a fait une carte en fait, de l'infrastructure syrienne, infrastructure d'Internet, et c'est là par exemple qu'on a découvert par accident des... Enfin, par accident. Parce qu'ils étaient, enfin, ils étaient pas cachés, parce que je pense que le gouvernement syrien s'attendait pas à ce que quelqu'un aille regarder, qu'on a découvert des appareils de censure et de monitoring qui étaient présents là, en Syrie, qui permettaient donc au gouvernement syrien d'espionner toutes les activités de tout le monde sur Internet. Et on a temporairement détourné une partie de la structure Internet syrienne pour diffuser un message qui s'affichait quand la personne se connectait à Internet. On intercalait une page qui disait en gros... Votre activité sur Internet est surveillée, faites attention à ce que vous faites, utilisez tel ou tel logiciel, et si vous voulez en discuter, vous pouvez nous joindre sur ce canal IRC en vous connectant de cette façon-là. Ce qui permettait donc en fait que tous les Syriens qui se connectent à ce moment-là sur Internet, ils démarrent leur ordinateur, ils arrivent, non pas sur Bienvenue sur Syriatel, mais Bienvenue, enfin, nous sommes Télécomics, nous venons en paix. Je crois que c'était un jeudi, il devait être 2h du matin,
Tout d'un coup, il y a 1200 personnes qui débarquent sur le chan en parlant syrien, un peu paniquées, en se demandant qui est-ce que c'est, qui on est, que fait-on. On a mis en place des petits systèmes de VPN et autres pour permettre justement de contourner cette censure depuis la Syrie, leur faire comprendre comment configurer certains logiciels comme Tor ou autres de manière un peu avancée en utilisant juste Google Translate. On s'est fait quelques heures de quiproquos et autres à y arriver, mais ça a fini par passer. Donc on a réussi à établir quelques contacts, hein, mine de rien, donc ce qui nous a permis aussi de comprendre un peu la situation sur le terrain, un peu mieux la situation sur le terrain, qu'en se basant simplement sur ce qu'on a comme médias qui sortaient. Forcément, on développe des liens très très forts, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont... Enfin, si, c'est des liens que j'ai avec ces gens-là qui sont plus forts que les liens que je peux avoir avec mes collègues ou avec certaines personnes que je côtoie régulièrement parce que ben, je vois toujours, mais finalement, on ne partage pas grand-chose. Là, on partage quelque chose, on partage de la technique, on partage des opérations, on partage des nuits blanches, des situations de stress, des trucs qui vont pas forcément bien, on se confie beaucoup. Enfin, je peux pas dire que la déprime, c'est un fléau qui dévaste le milieu hacker, mais a priori, la déprime, c'est quand même quelque chose, un trait que tu retrouves chez beaucoup de gens qui réfléchissent beaucoup, qui se posent des questions sur l'état du monde, etc. Et ouais, donc on va pas bien. Globalement, individuellement, non, la santé de notre vie, il y a toujours eu un moment où non, ça allait pas. Ça se voit, les hackers qui meurent et qui suicident, il y en a un ou deux par an. Il y a eu Aaron Swartz, il y a... Voilà, c'est... Parce que peut-être, je sais pas, on tisse des liens forts, peut-être trop forts, très intenses, et bah ouais, quand tu développes des liens très intenses avec quelqu'un en Syrie, puis du jour au lendemain, tu le vois plus, et que deux semaines après, tu tombes sur une vidéo de lui en train de se faire torturer et tuer, ouais, non, ça va pas. On entend parfois dire que finalement, le cyber-militantisme, c'est pas comme du vrai militantisme, parce qu'on est bien tranquille derrière son ordinateur, etc. Bon, ça, c'est faux. C'est faux pour les raisons que je viens d'expliquer, c'est faux parce que quand on agit, il peut y avoir des réactions. Et puis c'est faux parce que Internet, ça connecte pas des machines, ça connecte des gens. Et ça, ça a toujours des conséquences. Là, les hackers, c'était pas seulement du code qu'ils faisaient, c'était vraiment, ils pouvaient vraiment sauver des vies. J'en veux pour preuve une note du C2FR, qui est un centre d'analyse du renseignement français, qui, quelques mois plus tard, a fait tout un article sur le rapport entre les hackers et le printemps arabe, et qui a essayé d'expliquer à la communauté du renseignement que, vous vous rendez pas compte, mais ce que d'habitude, nous, services de renseignement, faisons pour aider des populations, bah là, c'est des petits jeunes de 20 ans qui le font. Qui n'ont pas de chef, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas d'ordre, qui n'ont pas de mission, qui sont pas mandatés pour ça. Ils le font juste parce qu'ils ont envie. Ils le font juste parce qu'ils pensent que c'est important de le faire et qu'il n'y a personne d'autre qui le font. Et qu'effectivement, ces petits cons de 20 ans, ils ont permis à des dissidents de communiquer et ils ont permis à des dissidents ou à des gens de pouvoir montrer à la face du monde qu'est-ce qui se passait en Égypte, ce qui se passe en Syrie, de montrer les exactions, de protéger... en leur expliquant comment chiffrer leur communication, ou à contrario, en expliquant surtout ne communiquez pas sur Internet si vous ne savez pas chiffrer vos communications parce que vous risquez d'être espionné. Et donc là, on est passé à un autre cap. C'est-à-dire que, non content de se battre contre des Microsoft, contre des éditeurs de logiciels propriétaires, de défier éventuellement des services de renseignement, là, on avait des hackers qui sauvaient des vies. Cyber war and cyber civilians do kill real people and represent serious threats to human rights. October 2011, Muammar Gaddafi's regime has just been brought down. According to Clémence Beccart, a lawyer at the FIDH, a legal fight of a new kind is about to start. The NGO has found out many cases of Libyan citizens tortured by Gaddafi's secret services. These victims were hunted down online. En août 2011, au lendemain de la chute de Muammar Kadhafi, au moment où à Tripoli, il y a eu une couverture médiatique très importante des événements sur place, et où le Wall Street Journal, les premiers, ont sorti l'information, puisqu'ils se sont rendus dans les locaux des services de sécurité libyens, qui étaient ouverts et laissés pratiquement à l'abandon dans la panique qui a suivi la chute du régime de Kadhafi. Et qui ont donc sorti les premiers cette histoire où on voyait apparaître donc dans ces locaux des logos d'Amesis présents sur les murs et où ils ont trouvé des manuels d'information frappés du logo Amesis et où étaient décrits les processus de monitoring des communications en temps réel de la population libyenne.
Et donc, les fondements de notre plainte, c'est qu'on estime que la société Amessis, en vendant ce système de surveillance au régime libyen, s'est rendue complice du crime de torture, puisque c'est grâce à cet outil de surveillance que le régime libyen, et en particulier donc les services de sécurité libyens, ont pu mieux identifier toute voix dissidente, les opposants, les défenseurs des droits de l'homme, les arrêter et ensuite les torturer et les, parfois les garder en détention durant de très longues périodes. Ce à quoi on assiste depuis quelques années, c'est une militarisation de l'Internet. On a de plus en plus de services de renseignement qui surveillent ce qui se passe sur Internet, qui espionnent avec des logiciels espions. Le marché de la surveillance des logiciels et des systèmes de surveillance des télécommunications qui n'existait quasiment pas en 2001, aujourd'hui est estimé à 5 milliards de dollars par an. On a plein de boîtes occidentales qui vendent à des dictateurs des logiciels de surveillance et d'espionnage des télécommunications. Donc on a plein de hackers qui bossent pour ces marchands d'armes-là. Chose qui n'existait pas il y a 10 ans. As civilian software is turned into a war weapon, hackers must choose for whom they want to work. For proprietary software, for the military industry, or for a free internet. Alkin has chosen. He was just hired in the ICT department of the FIDH. Et ça, c'est des métadonnées qui peuvent capter aussi. Pour, selon moi, les métadonnées, ça te permet de, sans du tout lire les contenus des mails, mais de savoir que tel jour, de tel endroit, j'ai telle adresse mail, envoyé tel mail à tel interlocuteur. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est le problème du mail, c'est le problème du protocole mail. PGP n'empêche pas ça. N'empêche pas ça. Donc là, ils savent ça, que tel jour, de telle adresse mail, j'ai envoyé ou je m'apprête à envoyer. Un mail chiffré à telle personne. Ouais. On est en contact avec des gens. Si jamais le gouvernement, leur gouvernement, qui espionne donc leur communication, est au courant qu'ils sont en train d'entrer en contact avec une organisation comme la FIDH, ces gens-là vont mourir. Point barre. C'est une question de vie ou de mort. Donc t'apprends. T'as pas le choix. C'est inconscient de vouloir, vouloir communiquer avec ces gens-là sans prendre le minimum de précautions. Le minimum de précautions, c'est maîtriser son infrastructure de communication et c'est donc utiliser uniquement des logiciels libres, des logiciels qui ont une réputation, des logiciels sur lesquels on a confiance, qui sont audités. Et dès que quelqu'un veut utiliser un iPhone pour envoyer un putain de mail ou pour faire un putain de Skype avec un Syrien, il met cette personne en danger de mort. L'Internet permet de faire de l'espionnage, permet de faire de l'analyse d'informations. On a des ordinateurs, des supercalculateurs, des clusters, des data centers qui nous permettent de récupérer énormément de données, d'analyser toutes ces données, de faire plein de choses intéressantes ou pas avec. Mais c'est pas ça qui tue les gens. Ce qui tue les gens, c'est les personnes qui sont derrière, qui utilisent ces systèmes-là contre des populations, qui vont utiliser des systèmes de filtrage, d'analyse de trafic pour pouvoir identifier des dissidents et tuer ces dissidents-là. Ce sont les entreprises qui vont construire ces systèmes-là et ces algorithmiques-là qui sont des armes. C'est que le patron d'Amesis dit « Ah non, mais vous savez, moi j'ai vendu un stylo à Kadhafi, après il en fait ce qu'il veut, s'il s'en sert pour écrire des ordres de mort, c'est pas mon problème. » C'est les mêmes arguments que sortent Smith & Wesson et Colt quand ils disent « Ah non, mais nous on fabrique que des armes, on tue personne. C'est pas l'arme qui tue la personne, c'est les gens qui sont derrière la gâchette. » Good afternoon, viewers. Thank you for clicking through to view this exclusive brand new edition of Juice Rap News back through with a global transmission with your host Robert Foster. And we're glad to begin by introducing this routine interview scheduled today with our regular US guest, now director of the NSA. But guess what I'm most excited about this finally happening? What? The court-martial of Private Bradley Manning. 3 years without trial and a touch of torture. That's how we punish dissent in the free world order. After this, no one will dare blow whistles or leak intel or question our right to read every single freaking email. Oops. Did you just say you read everyone's emails? But emails? No, we don't read, scan, track, record, and store every detail. At all? No, sir. Not wittingly. Perhaps a few billion emails. Accidentally. Okay, General. We're just getting sent a signal. It's the fearless journalist crusader, direct from Rio, the guardian of civil liberties, Sir Glenn Greenwald. Robert, hello. Hi, Glenn. What quest are you and your steed on? A hero has leaked classified documents, finally proving that the NSA has secretly obtained access directly to all the servers of Facebook, Apple, Yahoo, YouTube, Skype, and Google. This PRISM system for spying on users from the dark side of the moon will record everything that arrives on screens, emails, chats, Grindr feed. Robert, it took great courage from this whistleblower to decide to leak. They've taken a great risk in getting us, their fellow citizens, this critical glimpse into what is really happening behind the scenes. Whistleblowers are, you know, heroes of our time because they speak up about wrongdoing in the public interest.
Just the fact that now everybody is talking about the Snowden leaks and how surveillance is something that is, you know, global and everybody is being monitored and surveilled is something that, like 5 years ago, we were saying. And we were saying it, and people thought we were paranoid. And they thought we were crazy, and that we, you know, we had no reason to believe this, and that, you know, it was all in our heads, and that we should wear tinfoil hats and such. But as it turns out, we were actually even more conservative than the reality of things, because we now realize that we indeed have a global passive observer, and it is actually a foreign country, the United States. So to start, we should try and frame this and understand what we mean when we talk about whistleblowing. Whistleblowing is a whistleblower that decides to inform somebody about some sort of illicit activity or malpractice. Against mass cyber surveillance technology, many projects have emerged within hackers' communities to protect digital data. Arturo and his colleagues came to OHM to present Global Leaks, a software designed to help whistleblowers communicate anonymously. Debates on anonymization solutions and online communications encryption have been a key feature of this year's festival. These solutions become increasingly needed for whistleblowers such as Thomas Drake. What I did know is, at that time, but it became quickly apparent that strategic decisions were being made in secret at the highest levels of the U.S. government that would have enormous consequences downstream, enormous. And yet these decisions were being made in the deepest of secrecy. And one of the key decisions that was made was to abandon the Fourth Amendment. So 9/11 was the trigger, and the White House approved a secret surveillance program that included surveillance of people within the United States. This is the very first thing that I blew the whistle on within the system. I mean, I confronted my own supervisor, the number three person at NSA. I says, what are we doing? You know, it was the prime directive at NSA for 23 years, you do not violate the Fourth Amendment rights of U.S. persons without a warrant. And I knew then that I was eyewitness to the subversion of the Constitution. And if I remained silent, that I would be an accessory to a crime. We can see that, and I hope it's increasingly apparent now after Snowden's revelations, that we are facing a new Western religion. And that new Western religion is the national security state. It's hurtling towards a dystopia. It is dragging many of us along with it. That system, that international complex of information flow and relationships in the deep state is the single largest problem that global humanity faces other than its own ignorance. Is it the nature of technology, the nature of the complex production of technology, that it inherently leads to centralization? Is it the nature of networking, of connecting things together, that the most powerful object, that the most powerful system of information flow and accumulation, if you start connecting it to everything else, starts to dominate. I really wish you'd be around here with us because, you know, it's beautiful. And I think that if all of us work hard enough, maybe sometime soon, well, you, Edward Snowden, Bradley Manning, and all of us, you know, could hang around and have fun with lots of lights. And sometimes, well, you were right. And Bradley, Edward, and you show us every day that courage
is actually contagious. La vraie question ici, c'est celle de la protection de notre vie privée. La protection de notre vie privée, c'est un droit fondamental. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit droit fondamental, liberté fondamentale, machin, on entend ça tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que protéger notre vie privée est une composante essentielle de la démocratie. Alors on se dit, quand ça me concerne moi, oh, que Google ou Facebook sachent des trucs sur moi, pourquoi pas? Après, on peut se poser la question. Qui fasse de l'argent avec ces données sans que j'en ai un centime, c'est peut-être gênant. Qui vende ces données à des compagnies d'assurance ou à des banques qui vont s'en servir pour gérer mes bonus, mes primes, mes trucs ou me refuser un crédit. Là aussi, peut-être qu'il y a un problème. Mais au-delà de l'aspect individuel, personnel, la protection des données, la protection des communications privées, c'est quelque chose que vous faites pour vous et pour les autres. Si vous avez des enfants, protéger vos communications avec eux, c'est les protéger eux, à un âge où ils ne savent peut-être pas ce que ça implique d'avoir toute sa vie exposée en ligne. Si vous êtes journaliste, ça veut dire protéger vos sources, leur permettre de s'exprimer sans craindre les représailles. Si vous êtes un avocat ou un médecin, ça veut dire protéger le secret professionnel qui vous lie à vos patients ou à vos clients. Donc c'est un petit peu comme un écosystème où si vous protégez vos données et vos communications, vous les protégez également pour ceux que vous aimez, pour tout le monde autour de vous. Pouvez-vous lever la main ici, ceux qui utilisent encore un produit ou un service des entreprises suivantes? Facebook, Google, Apple, Microsoft. Non mais un, deux... Un seul. Un seul. Tous. Un seul. Tous. Une de ces entreprises, voilà. Donc là, on a un problème majeur. Quand nous, qui sommes à l'avant-garde de ces sujets-là, qui avons une compréhension des enjeux politiques et technologiques, ne sommes pas capables d'abandonner ces outils dont on sait qu'ils sont un pseudopode du renseignement et de l'impérialisme, je ne sais pas comment il faut appeler ça, tu coupes au montage quand je dis impérialisme, ça fait... voilà. Mais ça fait barbu. Il y a une chose qui est tout à fait notable, c'est que jamais n'ont été aussi clairement emboîtés les uns dans les autres les sujets de la protection des données personnelles, de la surveillance, de l'infrastructure de nos communications, donc de la neutralité du net, du contrôle des outils, donc du logiciel libre, et qu'on voit un petit peu comme les différentes pièces d'un puzzle s'imbriquer ensemble tous ces éléments. Ces composants politiques et technologiques ne peuvent être articulés que par un profond changement social où les individus prendraient mesure de ces enjeux et seraient en capacité de rompre avec leurs habitudes. We do not live in a time of online networks, but in a time of networks in general. Internet only adds another level to the networks that constantly solicit and identify our users of transportation, healthcare, trade. La Quadrature du Net, a French organization founded by hackers, immediately grasped these challenges. For the last 5 years, it has defended an independent internet and the freedom of internet users in national and European political institutions. In the past years, the European Union has attempted to legislate on sensitive topics such as net neutrality or online data privacy. The commercial stakes are high. According to a study by the Boston Consulting Group, the market for personal data could amount to $1,000 billion by 2020. Under the pretext of improving and customizing services provided to users, internet companies are constantly seeking to capture and monetize our online personal data. The activists of La Quadrature du Net want to convince elected representatives not to give in to business logic at the cost of their citizens' online privacy. La politique seule et la technologie seule ne servent à rien si elles ne sont pas articulées par des pratiques. Savoir des démarches sociales, des démarches humaines,
qui vise à comprendre ces concepts, à se les approprier et à les mettre en œuvre. On dit souvent qu'ouvrir une école, c'est fermer une prison. Ouvrir une école de code, c'est fermer une grande prison qui est la prison de j'utilise la technologie, mais je ne comprends pas comment ça marche et je suis le produit, je suis celui qui est exploité, en fait. Quand on dit système d'exploitation, c'est intéressant parce que ça renvoie aussi à une terminologie un peu politique de l'exploitation. Et le code, c'est évidemment, et on le voit dans le business, mais pas aussi, et pas seulement dans le business, un outil d'émancipation aussi pour les gens. Frédéric Bardot is the co-founder of Samplon, a French hybrid school that mixes social entrepreneurship and accelerated IT programming training. The training is primarily aimed towards those who are underrepresented in IT circles: women, young people from disadvantaged or rural areas. Samplon opened their doors to Akin and Amael for an afternoon. They came to organize a privacy coffee workshop, open to all those wanting to become more aware of how to securize their online privacy. Du numérique, là, on passe un cap, là. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais après tout, moi je m'en fous, j'ai rien à cacher. Alors d'abord, on a tous quelque chose à cacher, c'est-à-dire quelque chose dont on n'a pas envie que tout le monde soit au courant. C'est le fondateur du parti pirate suédois, Ekvall Vinge, il donne un super bon exemple, en général ça calme les gens tout de suite. C'est quand vous avez une maladie grave, c'est pas votre père qui va le savoir en premier, c'est pas votre compagnon, votre compagne, c'est pas vos enfants, c'est Google. Parce qu'il y a plein de fois, vous aurez tapé les symptômes dans Google. Donc Google sait, par exemple, je sais pas, que vous avez un truc hyper sérieux, ça fait réfléchir quand même. Hein. Et vous n'avez pas forcément envie que tout le monde le sache. Mais on a, de toute façon, effectivement, toujours, tous, quelque chose à cacher. On va passer tout de suite au point Godwin, parce qu'il en faut un, toujours, dans une présentation. Alors comment le dire? Disons que voilà, jusqu'en 1940 en France, il y avait des gens qui n'avaient rien à cacher, et puis à partir de 1940, ils ont eu à cacher leur religion. Bon, voilà, point Godwin, c'est fait. Mais tout ça pour dire que ce qui est socialement acceptable, ça varie aussi dans l'histoire, que c'est des questions de rapport de force, et que ce que vous n'avez pas à cacher aujourd'hui, peut-être qu'un jour vous aurez à le cacher, et au stade actuel, vous n'en savez rien. On a souvent comparé les hackers aux scribes, de l'invention de l'écriture à des clercs en fait, qui allaient guider la révolution et les lumières. La démarche de transmission, elle est centrale. Et c'est vrai que des gens comme Hawking, et Télécomics en général, parce qu'il n'y a pas qu'Hawking, ils sont assez tournés vers la transmission. Mais là encore, c'est une transmission qui est exigeante. Donc c'est intéressant, parce que c'est pas juste je vais t'apprendre à faire les choses ou je vais les faire à ta place, c'est je vais t'amener sur le chemin qui va te permettre de continuer à avoir envie d'apprendre. Et... Alors, vous êtes donc sur la page torchproject.org. Ah, tu y es pas? Il n'y a pas de tiret. Oh, il y a un gros domaine squatting. Et si je fais ghostery, ça va me donner quoi, là? Alors, ghostery... Génial, il ne trouve rien. Bah oui, c'est le but. Yes. Mais est-ce que les hackers ne sont pas à l'avant-garde d'une utilisation de la technologie qui, par ses principes de décentralisation, d'ouverture, de partage de la connaissance et de contrôle de la machine par l'humain, et non l'inverse, porte en elle l'espoir d'une politique plus équitable, plus juste, d'une société qui serait plus au service des citoyens plutôt qu'au service de quelques-uns. Peut-être que ces pratiques portent en elles l'espoir de pratiques politiques dans lesquelles on ne mettrait pas un bulletin dans l'urne tous les 5 ans pour s'en laver les mains, mais dans lesquelles chaque jour on pourrait demander des comptes aux personnes au pouvoir. Ouais, on est en mission pour la Côte d'Ivoire. Sur ce, je vais rentrer chez moi et dormir. Je suis claqué. In a few years' time, teenagers will maybe replace their posters of Che Guevara by those of Julian Assange, and pop songs will glorify Edward Snowden. Marketing and advertising will have swallowed another counterculture for good. But until then, hackers will have opened new, curious minds willing to discover new territories, the guardians of ever-changing worlds. That's about it for this edition, but it wouldn't be complete without some final questions.
Whistleblowers, they leak in the public interest. Now what remains to be known is the public interested? If so, this might be a good day to exhibit it. Ignorance is a choice in the age of the internet. Many consider this all very bewildering. Some praise these acts as heroic, worthy of mimicking.